Le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour, pas forcément avec lui. Ça va être une cause de rupture. Petit message important, les amis, désolé de ce retard. Je vous promets que là, si on atteint les 50 000 pouces bleus, les amis, je vous mets la vidéo à 18h pile la semaine prochaine. Allez-y, bombardez les pouces bleus. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une vidéo incroyable que je pensais jamais faire dans ma vie. Je vous en dis pas plus, mais rendez-vous dimanche prochain. En attendant, bonne vidéo. On est bien là? Ouais. T'es balèze le frère. Alors, c'est plus ou quoi? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les amis. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver et vous y attendez pas là, les amis, je suis aujourd'hui avec Romain et Meganite. Je ne t'oublie pas aussi, mon bébé, elle est là aussi. On se connaissait un petit peu et j'ai vu qu'ils faisaient une chaîne YouTube. Alors je suis allé voir et je vous jure les amis, j'ai été impressionné, vraiment vous m'avez touché. D'ailleurs vous êtes un couple très touchant. Surtout j'ai vu une petite vidéo là où tu lui lis une petite lettre. Merci, je suis sans voix là. Je suis ému. Mon amour. Ah ouais, j'étais trop touché, j'avais du mal à... Franchement vous m'avez ému, non mais vraiment. Et moi qui connaissais un peu Mel, on se connaissait un peu, je voulais te dire je t'ai redécouvert. C'est gentil, mais tu m'as connu qu'en boîte de nuit après la nuit. Tu pouvais même connaître le jour. Bon, c'est vrai que je te connais, voilà. Je connaissais qu'en boîte. Mais du coup. Ça sera coupé, ça. Non, t'inquiète pas, c'est jamais. On a rien passé. Jamais rien. Si vous n'avez pas vu leur chaîne, allez-y, foncez. Moi, je kiffe leur vidéo. J'ai regardé les haters et les 24 heures dans la bagnole. Ah, très drôle. C'est ma préférée, 24 heures. Elle est trop bien. Aujourd'hui, nous allons faire une bataille des couples. Le concept est simple. Nous allons à tour de rôle répondre à des questions sur nous sans que notre duo n'entende les réponses. Ils devront alors répondre aux mêmes questions sans se tromper, sous peine de se faire électrocuter. Si elle répond pas bien, je lui mets un coup de jus. Voilà. Et si elle répond bien, je peux lui mettre un coup de jus aussi. Ah, tu fais plaisir, gros, t'auras la manette. Ça dit, je fais toujours des coups de jus. Enfin, mais... on ne veut pas savoir, cela ne nous regarde pas, les amis. Quelle est la fille de télé que tu trouves la plus jolie? Oh non! Oh non! Ça me met dans des salades! Il fait chaud ici! Je t'ai prévenu avant, qu'il faisait chaud ici! Putain! Non, je peux pas dire, mais la Nouvelle, elle fait me faire tuer! Elle est jolie! Elle est jolie, ça va, mais ils ont eu des problèmes en télé! Vas-y, c'est drôle! C'est drôle! J'ai bien foutu! Moi, je vais dire. Bénin? La ville que tu aimerais le plus visiter. New York, ça m'excite un peu. T'as jamais été à New York? Non, j'ai fait Los Angeles et j'ai jamais été à New York. Ah, j'avoue, Los Angeles aussi, c'est une dinguerie aussi. Mettez Los Angeles. Ok. Mettez Los Angeles. La partie physique que tu aimes le moins chez elle. Chez ma meuf? Mais j'ai pas le droit de dire ça. Putain, mais non, mais ça commence mal. Mais je peux pas dire ça. Ça se fait pas. J'ai envie de répondre l'oreille. En fait, au début, j'aimais pas ses lèvres. Ah. Mais en fait, après, je me suis habitué. Donc maintenant, je les kiffe. Ce que j'aime le moins chez elle, partie du corps. Après, ça peut être sa taille, ça peut être ses grands pieds, ça peut être... Ses grands pieds. Je sais pas. C'est long, son long deuxième doigt de pied. Allez, vas-y. Ouais. Son long doigt de pied, le deuxième. Ah, deuxième, il dépasse le premier. Ouais, 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 il est un peu, il est assez je long. Connais, ouais. Ça m'énerve. Moi, ce que j'aime le moins, c'est Chloé, elle adore, et je déteste ça, elle adore sur ses ongles. Faire des trucs de beauf. Genre elle va mettre que du rouge et d'un coup sur celui-là elle va mettre des paillettes et tout. Je déteste ça. Est-ce que ça compte comme un truc physique? J'ai dit ça parce que je voulais être gentil. Hein. Tu voulais être gentil en vrai? Là je trouve par rapport à lui, je prends moins de risques quand même. Bah j'aime pas ses fesses, voilà. Oh le bâtard! Oh non! Oh non! Je sors, moi je voulais pas d'histoire comme ça, je sors, mais non! Non mais comment tu peux dire ça? La chose qui t'angoisse le plus au monde. Oh là là! Ou dans la vie. Claustrophobe. Moi, je pense qu'il m'angoisse le plus au monde, c'est. c'est de ne plus me faire aimer par les gens et qu'ils m'oublient. Genre vraiment, c'est un truc qui m'angoisse. C'est vrai que c'est angoissant ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est angoissant, c'est une sale angoisse, frère. Quand je publie pas une vidéo, je me dis bon, bah ça y est, ils m'ont oublié. Ça y est. Si, c'est vrai, ouais. Tu vois? Ouais. Allez, c'est fini pour moi. Tu vois, ça y est, on tourne la page. Tu vois, c'est une angoisse. Tu vas faire moins de likes sur une photo, tu fais bon, bah. Ouais, c'est trop ça. C'est fini. C'est trop ça. Voilà, donc les amis, soyez toujours là, s'il vous plaît. Attention, c'est la question coquine. Si tu devais supprimer à vie entre recevoir une fellation... Jamais. Ou
faire des cunis. C'est-à-dire tu fais plus de cunis ou tu n'as plus jamais de fellation. Bah, c'est pas une question. La réponse, attends, elle est dans la question. Attends, non, moi je n'ai pas de cunis. Attention. Ah ouais. Regarde, c'est quoi de quoi, par exemple. Ah ouais. Là, je préfère faire des cunis. Que tu. Ah ouais. Non, franchement. Ok, toi tu supprimerais cunis. Bah, je supprime les cunis. J'adore faire des cunis, moi aussi. Mais je supprimerais quand même les cunis, voilà. Je peux lui mettre genre sur le cou. Moi, tu me le mets sur la chatte. Ouais. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Regarde. Tu sais sur quoi ça va te faire. Regarde, je me le fous dans la chatte. Je te l'ai marqué. On a compris, on a compris. Essaye de ne pas te faire démotiser. Aïe! Mais ça va pas ou quoi? T'as cru quoi? Ok, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Quelle est la fille de télé que les garçons trouvent la plus jolie? Mais en fait, je crois que c'est moi qui vais me faire taper. Je préfère la taper avant parce que si t'as répondu une fille que j'ai cesse sur la tête de ma mère. Bon, juste pour le défendre, vraiment, il avait pas envie du tout de dire une fille, il savait pas qui dire, voilà. Du coup, tu dirais qui? Je vais dire Alix. Ah, dommage, c'est pas ça. C'est qui? Il a dit... Non, je vais sortir là. Il a dit... C'est qui? Il a dit... Mélanie O.R.E. 3, 2, 1... Fight! Oh, la tête... Mon ennemi, tu la trouves belle? Ce c***er à ce... T'es sérieux? Non, mais je comprends. Ah non, vous pouvez, regardez, hein. J'assume. Hein. Moi, je te trouve très belle. Non, non, arrête de mentir, c'est péché. Je vais rien faire. Oh, putain, j'hésite tellement. En fait, tu les trouves toutes bonnes. Oh. Putain, j'hésite, mais franchement. Putain, attends, je suis en train de réfléchir aux meufs qu'on a DM à la Saint-Valentin. Ah, putain, arrête. Bah, Manon Van. Non, pas Manon Van, non. Arrête. Et non, c'était Léna. La meuf des Marseillais. Bah oui. Ah oui, elle est mignonne, ouais. Alors, quelle est la ville que les garçons aimeraient le plus visiter? Mélanie, tu commences. Le Brésil. Non, mais c'est une vie, on a dit. Oh, les gars. Allez, ma vie, réfléchis, ma vie, putain. On en parle souvent. C'est même toi qui veux m'amener là-bas. Tu kiffes le style. C'est un style? Mais wesh, c'est quoi cette question qu'il a fait là? Je porte les bottes. C'est un style, ma vie, allez, vas-y. Un style de quoi? On fait du skate là-bas. Du skate? C'est pourquoi j'ai dit ça. Ami. Et non, dommage, c'était Los Angeles. Ah, à fond, mais à fond, hein. Bien sûr que je mets à fond, là. Pourquoi? Eh, la tête de ma mère, si tu me fais repousser les poils avec cet appareil, je te fais. Aïe, aïe, j'ai mal, je souffre. Aïe, s'il te plaît. J'ai mal, je souffre. Aïe. Attention, Chloé. Putain, on n'a jamais parlé trop voyage, non. Nous. Ça, tu peux pas deviner. Ah putain, c'est chaud. Bah, dis-lui où je suis jamais été. Punta Cana. Vas-y, Punta Cana. Aïe, 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 aïe. Et non, c'était New York. Oh non. Putain, j'y ai pensé. Il est pas trop tard. Allez. Alors, on est très nus, hein. Attention, vous êtes quoi? Là, c'est la question. La partie physique que tu aimes le moins chez elle, Mélanie, tu commences. Déjà, est-ce que tu penses que j'aime le quelque plus... Vas-y. Il est pas bien. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc que j'aime pas chez toi? Mes pieds, tu les aimes. Mon visage, tu l'aimes. Attends, mais ma vie, t'as dit quoi, tu crois que... T'aimes mes pieds? T'aimes pas mes pieds? Mais ta petite machine, tu me les embrasses? T'aimes pas mes pieds hypocrites? Oui, mais... Ok, ma vie, juste le deuxième il est un peu plus long que le premier, fin. Ah, le doigt de pied, le deuxième doigt de pied. T'es vraiment une hypocrite, je vais me lécher les pieds de la tête. Eh, sur la Torah d'Israël, c'est quoi, je mettrai plus jamais mes pieds sur ton visage. Et ben moi... Quoi? J'ai envie de m'électrocuter, moi. Comment j'ai honte? T'as honte? Mon cul? Oui. Ouais, mais vas-y, mais non. Bah non, bah c'est
pas mon mec en même temps, hein. Bon, j'ai un petit cul. Ouais, t'as un petit cul. Mais je sais pourquoi. Parce qu'il est pas musclé. Parce que je suis très exigeant. Voilà. T'aimerais bien que je fasse deux squats. Putain, je sais, il a trop les pieds. Mais paye là, vas-y là. Fallait dire deuxième doigt de pied, toi aussi. Paye là. Alors, ferme ta gueule, parce que t'en es prêt pour rire. Mais putain, mais parce que paye là. T'es chiant. Parce que quand faut me lécher les pieds et que je me mets sur mon visage, t'es bien content. Ah, c'est toi aussi, je te demande à chaque fois. Ah, oui, tout le temps, mettre tes doigts de pied. Ah, oui, vous faites des pieds sur la tête. Ouais, ouais, okay. Voilà, c'est ça. Non, mais j'aime beaucoup. Ok. Moi, j'adore ça, mais personne ne me le fait. La chose qui angoisse les garçons le plus au monde. Oh, Mélanie, tu commences. Ma vie, tu le sais. Mon angoisse de tous les jours. Alors, attends, putain. Ma vie. Ma vie, réfléchis. Encore la veille, je l'avais cette phobie. À chaque fois qu'on arrive chez toi, partout. Attention, on n'est pas. Dormir ouais, sans ton doudou. Mais ben, arrête quand même. Ah, que je fais caca. Oh, vas-y, c'est bon, je sors. La meuf, elle balance tous les dossiers. Bon, je sors. Dormir sans doudou, mais paye. C'est quoi? C'est la claustro. C'était d'être enfermé dans des petits espaces. Ah, ah. Elle savait. Mais en tout cas, je trouve ça très mignon. Tu es angoissé de dormir sans ton doudou. C'est pas doudou. C'est une ficelle. Qui met dans le nez. Hein? Faites des trucs bizarres, vous deux, hein. J'ai remarqué. Moi, c'est pas forcément une phobie. Ramasser la merde de peau. Non, c'était de que les gens m'oublient et ne m'aiment plus. Oh, bébé. Oh, c'est mignon. Mais moi, je t'aime, hein. Oui, bah, je sais. Mais je sais, moi, hein. Je parle des gens, pas de toi. Ah, non. Si les garçons devaient supprimer pour la vie entre recevoir une fellation ou faire un cuni. Attention, tu fais le rapport de stats, hein, qui fait plus le quoi. Et bah, et bah écoute, tu bannirais le cuni vu que c'est moi qui suce. Bah oui. Bravo, première bonne réponse. Merci. Non mais vous entendez très bien sur ce niveau là. Bah c'est normal, c'est moi qui me fatigue. Ah bah c'est tranquille. Ah moi j'adore. Ah, ouais. J'adore. Bah être fatigué et m'étouffer, j'adore. Cela ne nous regarde pas. Chloé, qu'est-ce que je supprimerais? Bah je sais que t'aimes bien bouffer des chattes comme moi d'ailleurs. Mais t'aimes trop te faire sucer, frère. Eh oui. Mais c'est pas moi qui te suce. Ah non. Le mec de télé que tu trouves le plus beau. Non mais genre Mélanie elle peut pas dire ça. Ah mais si moi c'est mon mec hein. Ah bah faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Ah bah non moi c'est mon mec hein. Mais non mais mon mec c'est le plus beau du monde, je suis désolée. Tu dis ton mec. Ben oui mon mec c'est le plus beau. Moi c'est Jessica Herrero. Tu sais que c'est ma copine hein, je peux l'appeler et te la présenter. Mais attends j'ai fait un TikTok sur elle. Tu genre un message? Non. Adrien. Bah quoi? Non. Bah quoi? Adrien, je suis gênée. Le pays que tu aimerais le plus visiter? Shanghai. Ah bon, merde, t'es bizarre toi. Mais je vous explique. Pourquoi? Depuis que j'ai vu une émission sur Netflix qui s'appelle Les Jardins du Météore, j'ai trop envie d'aller à Shanghai. Ah ouais? Moi, bah c'est les États-Unis. Genre tu vois le... Quelle ça ville? Fait trop envie. New York, Miami, Miami. La Floride et tout. Je suis d'accord. Miami. Je suis d'accord et sans avec les meufs qui font du roller au bord de la plage. En bikini. Voilà, tout ça. Le défaut qui te dérange le plus chez lui? Il est égoïste. Je lui gratte le dos, je fais des papouilles, je fais on à manger compris, et tout. Gratte. Mais ouais. Et lui, par contre, que je dois en faire des papouilles? Il me baille, pas. Pourtant, les papouilles dans les cheveux, franchement. Moi, j'aime dans le dos, je fais les. Ah, les cheveux, t'aimes pas qu'on te fasse dans les cheveux? Ouais, mais je préfère le dos. Ah ouais. Entre les omoplates. Ah, moi le défaut qui me dérange le plus chez lui c'est qu'il met 10 ans, qu'il me répond pas en SMS, des fois qu'il met 10 ans. Je pense que tu peux confirmer. Soit ça me fait chier. Ou... Non, il est tête en l'air de ouf, il pense à rien. Il pense à rien. Darko. Je te jure, il pense à R. La raison de votre dernière embrouille. C'était hier. Parce que j'étais en retard pour notre vidéo YouTube. Ah, genre ça, c'est une grosse embrouille, une petite embrouille. Ah bah c'est une embrouille, je suis sortie en pleurs. T'es souvent en pleurs pour des petites embrouilles comme ça? Ah moi je pars trop facilement. Et toi? Et en vrai avec Darko on s'embrouille jamais. C'est mignon hein. C'est sympa comme ça, relation bon. Bah allez. Ouais bon t'as pas les autres avantages. Non. Et enfin la question coquine. Le lieu le plus insolite où tu as fait l'amour? Pas forcément avec lui. Ça va être une cause de rupture. Ça va partir en clash. Bah j'hésite entre un port
et dans quelle ville? En Crète. Ah, j'y vais cet été. C'est très sympa. Ah, sympa, j'irai sous le port. C'est très sympa. Ou contre un arbre. Tu dirais quoi alors? Vas-y, le port, le c'est plus stylé. J'avoue. Moi, c'était dans une salle de classe dans mon lycée. En fait, c'était pendant les révisions du bac. Il y avait des salles de libre et du coup, j'ai couché avec mon ex sur le bureau du prof. C'est sympa. Sympa. Je peux te la mettre sur les joues? Non, bah oui, fais pas ça, arrête, pas sur les joues, moi j'ai été gentil avec toi, déjà t'as eu qu'une bonne réponse là. Vous pouvez, sur les joues. Wow. Le mec c'est un vibromasseur. Elle vient pour un bébé. Le mec de télé que les filles trouvent le plus beau. Attends, ça compte? Elle a déjà couché avec ou pas? Je peux demander? Oui. Ok, bah d'accord. Bah quand même, Romain! Attends, mais laisse-moi réfléchir, il y en a... T'as pas le droit de dire ça! D'accord, pas. Même machin, c'est pas une agence de voyage, n'importe quoi! Bon, un comme ça, là, direct? Oui, tu le connais! Ah, ça bouge le major! Mais qui? Toi! Mais t'as pas le droit de dire moi! Mais si j'avais le droit de dire toi! C'est trop mignon! Non, mais je savais pas, moi! Mais baisse un peu, déjà, ma vie! Bah non, reste avec moi! Mais arrête, j'ai la narine qui vous shoot ça, là! Moi je vais dire, du coup une fille, je vais dire Jessica Herrero. Oui. Bien bébé. J'étais sûre que t'avais trouvé. Le pays que les garçons aimeraient le plus visiter. Ah, les filles, non. Les filles, pardon. Le pays. Le pays, tu connais la ville. Attends, c'est quoi le pays où t'as envie de vivre, genre? Non, 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 j'ai envie de visiter. À chaque question. Où j'ai jamais été, où j'ai dit bah si je veux aller là-bas. Les États-Unis. Des dommages, c'était quoi la bonne réponse? C'était Shanghai, donc la Chine. Non, mais tu changes tous les jours, toi, d'avis, comme depuis. Bah, non, aucun rapport, je sais, j'ai pas changé d'avis, hein. Moi, je vais dire, je pense que t'as jamais été aux États-Unis, donc je vais dire aux États-Unis. Ouais, bébé! Mais t'es trop fort! J'adore, il est trop fort, il me connaît par cœur. Tu te rends compte qu'ils sont même pas en couple et ils ont plus de bonnes réponses que nous? Au moins, on s'entend sur le côté sexe, quoi. Ouais. Le défaut qui dérange les filles le plus chez vous? C'est un défaut genre de personnalité? Ouais. Bah attends, c'est toujours, tu me dis tout le temps, t'es égoïste. Ouais, yeah. Moi j'adore. Tout le temps. Voilà. On est d'accord? Je suis un égoïste de sentiment parce que je dis pas je t'aime 50 fois par jour. Exactement. Tu vois? Ok, d'accord. Voilà. Moi, je pense que Jack a eu beaucoup de mal à trouver. Ouais, j'ai galéré. Bah le défaut que j'ai, c'est que je mets du temps à lui répondre, quoi. Oui. La raison de votre dernière... Ah non, ça va. Bah attends, mais il y en a eu une tout à l'heure. Non, hier. Ah ouais, hier, c'est vrai que c'était un peu plus gros. Il y a eu un désaccord. Ouais, pourquoi? Bah parce que t'as pas voulu faire ta photo. Voilà. Ah, elle a pas ah dit non, ça. J'ai pas dit ça. Ah non, putain. Regarde sa boue. C'est parce que j'étais en retard pour la vidéo YouTube d'hier. Et t'en as voulu? Bah ouais. Ah, aïe. Ça fait du bien. Est-ce que ça monte au cerveau? C'est pas envie d'activer les neurones. Notre dernière embrouille. Déjà on s'embrouille jamais avec Chloé. Un truc que je t'ai trouvé relou dans une soirée. Mais non, mais jamais. Il l'a dit au début. Bah c'est ça que s'embrouille jamais. Bah il a en fait c'est pour ça. Bah non. Bah en fait au début il a dit. C'est vrai qu'au début j'ai dit on s'embrouille jamais. Première réponse, il a dit on s'embrouille jamais. C'est vrai. Bah ouais, le sang. Attention, c'est la dernière réponse coquine. Celle-là je peux même la mettre sur. Je peux la mettre sur le chiffre si tu veux. Le lieu le plus insolite, votre partenaire, enfin ex-assistante, l'a fait. Le lieu le plus insolite. Le plus insolite où elle a fait l'amour, mais oui. Pas avec moi. Ah mais ça, putain, bay. Aïe. Je vais essayer, mais en vrai de vrai, je ne sais pas, mais je pense que je vais dire l'avion. Bah non. Bah c'est quoi le plus insolite? Dans un port. Aïe. C'est nul de faire ça dans un port. Ah mais déjà super devant le bateau. Non, c'était nul. Moi je pense déjà que c'était qu'un rugbyman et c'était dans un bar, toilette de bar en fait. Pas du tout, c'était dans une salle de classe, dans mon lycée. Oh ça va. C'était avec ta prof? Lycée catholique, non, c'était avec mon ex. Ah oui. Sur le bureau du prof. Et c'est un rugbyman ou pas? C'est un rugbyman? Non, c'est un majeur. Mes amis, c'est incroyable. On a gagné. Ouais. On a gagné les amis, mais c'est pas grave, un jour on vous accordera on une revanche. Voilà, une revanche si ça vous dit. Je peux poser une question bonus ou pas? Oui. Chloé. Oui. Quelle est la date où tu es devenue l'assistante de Darko? Le 30 octobre 2019. Et vous, quelle est la date?
La date de quoi? La date de votre... Mais chier, hein. C'est le 19 juillet 2019. 2020. Non. Quoi, 2020. Bah, c'est 2019. Ah, on est en 2021 là. Ouais. Ouais, bah 2019. 2020, pardon. 2020. Oh, allez, ça va, c'est en 2021, ça. Mais ah, c'est mignon, vous connaissez la date. C'est le 19 juillet, ouais. Les amis, merci infiniment. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Eben, la chaîne de Chloé, notre chaîne. Je vous aime et à très vite. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao.